Attends, attends, avant que la vidéo commence, je veux bien que tu regardes cette image. Comme tu peux le voir, je suis juste là, au pied du ring du Madison Square Garden. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai vécu le moment le plus incroyable de toute ma vie et j'ai pu rencontrer des légendes de la boxe comme Vasyl Lomachenko, Freddy Roach, José Ramirez ou encore Don King et même Michael Buffer. Donc installe-toi confortablement, c'est parti. Le 14 mars 2018, je suis arrivé à New York pour mon projet Traveling for Boxing. Dès que j'arrive dans une ville, mon objectif principal est de rejoindre le plus rapidement mon Airbnb afin d'y déposer mes affaires. Mais cette fois, ça s'est pas passé comme prévu. Regardez sur quoi je suis tombé en arrivant. Ouais, en effet, c'est assez crade. Et vous avez de la chance parce que je vous épargne les odeurs. Après avoir vu ça, j'ai décidé d'immédiatement quitter l'appartement et de trouver un café dans lequel je pourrais me connecter au réseau Wi-Fi afin de trouver une solution. C'est bon, j'avais de quoi me connecter à Internet. En allant sur Facebook, j'ai vu que Hamid Zahim, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de ma découverte de l'académie THZ de Reims, était actuellement à New York lui aussi. Il était dans la ville car il accompagnait un de ses boxeurs, Mehdi Amar, au Madison Square Garden dans quelques jours afin d'essayer de conquérir le titre de champion du monde WBC des poids mi-lourds. Comme il était connecté, je me suis permis de lui faire part de ma situation et il m'a directement répondu ça. Viens avec nous à l'hôtel, on te fera de la place et tu nous accompagneras au compas de Mehdi au Madison Square Garden. Le geste d'Hamid m'a vraiment touché et je le remercie encore une fois dans cette vidéo. Le Stewart Hotel se situe juste en face du Madison Square Garden et toute l'organisation de la WBC ainsi que les boxeurs dorment dans cet hôtel. Pour ma part, j'ai dormi dans la chambre d'un des coachs de Mehdi Amar, Malou, qui m'a gentiment accueilli. Le lendemain matin, je suis rapidement retourné à mon Airbnb récupérer mes affaires car je voulais pas rater la conférence de presse qui avait lieu la même matinée. Je me suis dépêché mais malheureusement je suis arrivé à la fin. Mais dans mon malheur, j'ai eu de la chance car en arrivant, je suis tombé en face à face avec Don King. Vive la France! J'en ai également profité pour prendre une photo avec la tête d'affiche, José Ramirez. Le soir, j'ai accompagné Mehdi et toute son équipe au Mendes Boxing pour son dernier entraînement avant le combat. Cette salle est assez mythique car les meilleurs boxeurs au monde sont venus s'y entraîner. Il y a tous les niveaux et il y a une super ambiance. Quitte à être dans une salle de boxe, j'en ai profité pour faire un rapide entraînement au pas d'ours avec Malou. Mehdi, quant à lui, avait fait un peu de corde et de shadowboxing sous l'œil avisé de son entraîneur Kaiser et avec le soutien permanent de son frère. Dès le lendemain matin, c'était déjà l'heure de la pesée officielle. Il y avait du beau monde à cette pesée, notamment Don King et Bob Arum, deux promoteurs mythiques de la boxe anglaise. Et il y avait également Timothy Bradley, le champion du monde WBC, qui nous faisait l'honneur de sa présence. Back to the corner of the world.
Directement après la pesée, on est rentré à l'hôtel. Là-bas, j'ai eu la chance de parler 15 minutes avec Freddy Roach, un entraîneur de légende qui a notamment entraîné Manny Pacquiao et Mike Tyson. Et j'ai également pu prendre ma photo avec le speaker Michael Buffer. Let's get ready to rumble! Dans l'hôtel, j'ai accompagné Hamid dans les bureaux de l'organisation de la soirée afin de récupérer les places. On a réussi à me faire passer pour un photographe professionnel. C'est comme ça que j'ai récupéré mon pass pour être au bord du ring du Madison Square Garden. 17 mars 2018, c'était le jour du combat. Comme on avait un peu de temps libre le matin, j'ai décidé avec 3 membres de l'équipe d'aller visiter la Statue de la Liberté. Mais on a fait ça assez rapidement car le combat allait très vite arriver. Là, il était 17h et on était en direction du Madison Square Garden. La pression commençait à monter et l'organisation ainsi que la commission athlétique de New York vérifia à ce que tout se déroule dans les règles. Hier, je savais qu'un jour ou l'autre, Michael Buffer allait me présenter. Mehdi a vraiment fait un très beau combat. Tous les médias et le monde de la boxe pensaient qu'il allait tomber très rapidement, mais grâce à son mental d'acier, il a réussi à aller jusqu'à la fin du combat et à livrer une très belle bataille. Malheureusement, il perd au point, mais il aura mis une bonne partie du public dans sa poche grâce à son courage. C'est d'ailleurs pour ça que l'entraîneur d'un autre boxeur de la soirée est venu le féliciter à la fin de son combat. I believe that he should have got 12 weeks notice. I believe whatever about the 5 weeks, he only got 5 weeks notice, but after the performance that was put in, it should be a rematch. Yeah. The crowd loved it, everyone loved it. It was a great fucking fight. Comme c'était la Saint-Patrick, la soirée s'est finie par le combat de l'Irlandais Conlan, qui sera certainement un futur champion du monde. Et voilà, à la fin de ce combat, il était temps pour moi de leur dire au revoir et de les remercier une dernière fois pour ce que je venais de vivre grâce à eux. Gilbert, le cutman de Garrido, Reynal Garrido, il va coacher Malou. Voilà, 2 combats de Malou, je lui donne 2 victoires et après je lui donne l'Ukrainien. On va trafiquer une licence, je lui donne l'Ukrainien, je m'en bats les couilles. Malou, tu le sais, tu le mets KO. Thank you very much, Gilbert. Je t'aime, Gilbert. Gilbert, je l'aime. Gilbert, l'ancien Gilbert, il est bon. Gilbert, the coach, cutman, c'est le top. C'est le top. Il me restait encore quelques jours à passer à New York, j'ai retrouvé un logement très rapidement et j'en ai profité pour faire le touriste dans les rues de la ville qui ne dort jamais. I don't have grudges, I don't want vengeance, I don't have...
hard secret, so you don't have leverage. I don't need a big bang, just enough to get me by. Never will a dollar bill make me feel dignified. I learned everybody's friendly till they taste blood. I learned love hurts much more than hate does. I learned every single high has a come down, but I know how to bounce back. Soon as I come down, it's hard to get hurt if there's nothing to protect. I would go to war for, but there's nothing left. Blessing in disguise, I severed all my ties. There's no reason to stay, I guess I'll take a ride. I got the sunshine in my eyes, I'm cheesing. I'm not in a hurry, no, no, but I'm speeding. Can't nobody take me down. Can't nobody take me down.